Bonjour tout le monde. Maintenant qu'on va commencer la notion d'orienter objet à travers d'un ensemble des exemples, tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire un objet? Qu'est-ce que ça veut dire une classe? Ben, un objet, c'est une unité logique définie par un état, un comportement, une identité. Donc un état qui représente les attributs et les valeurs, bien sûr, des attributs pour définir cet objet. Le comportement défini par des méthodes, les procédures et les fonctions. Et donc, c'est un comportement qui est dynamique, qui permet de mobiliser l'objet à travers d'un ensemble de procédures et des fonctions. Un objet identifié par identité, cette identité permet de distinguer un objet par rapport à un autre. Comme vous voyez dans cet exemple, un objet est différent par rapport à l'autre par une identité. Peut-être avoir même valeur, même puissance de moteur, même couleur, etc. Mais avec une identité différente. Et donc, représente une identité, représente un objet de ce qu'on appelle une classe. Vous voyez ici l'ensemble des voitures qui représentent des objets de la classe voiture. Et donc, l'objet représente les propriétés et les valeurs des propriétés. Par contre, la classe, c'est un regroupement d'un ensemble des objets. Et donc, il est défini par un ensemble des attributs et un ensemble des méthodes. Et comme vous voyez, la classe, c'est un regroupement des objets définis par un ensemble des attributs et définis par un ensemble des méthodes. Donc, une classe est un ensemble des attributs et un ensemble des méthodes. Les attributs, ce sont des propriétés qu'on donne la valeur des propriétés. Dans ce cas, on parle d'un objet. Et on parle d'instanciation de l'objet. Et donc, une classe permet d'instancier des objets, c'est-à-dire créer des objets selon des valeurs d'initialisation. Et ces valeurs sont qui permettent de définir un objet. L'objet est défini par identité et chaque objet est donc différencié par rapport à l'autre à travers l'identité. Donc, la classe est définie de cette façon, syntaxiquement parlant, bien sûr. Donc, c'est le nom de l'identité de la classe, dans ce cas voiture, définie par un ensemble des attributs puissance, un booléen est démarré ou non, vitesse, etc. Et définie aussi par les méthodes. Et donc, chaque méthode et attribut définit ce qu'on appelle par ce qu'on appelle une visibilité. Public ou privé, private ou protected. Donc, on va voir la notion de visibilité par la suite. L'essentiel, c'est que chaque attribut et chaque méthode est défini par une visibilité. Alors, l'implémentation de classe en langage Java est définie de cette façon. Donc, nous avons le nom de la classe, donc public class, le nom de la classe, et on ouvre les accolades, et puis on définit les attributs. Donc, la visibilité, puis le type de l'attribut, et puis le nom de l'attribut. Par la suite, je peux définir les méthodes qu'on a dans la classe. On a déjà parlé de méthodes, c'est-à-dire les procédures et les fonctions. Donc, vous pouvez revenir à la vidéo précédente pour voir qu'est-ce que ça veut dire une procédure et une fonction. Dans notre cas, qu'on va l'appeler méthode à la place de procédure-fonction, donc on l'appelle une méthode, soit elle retourne une valeur ou non. Et donc, on peut définir une méthode de cette façon, donc la visibilité aussi, donc le type de retour s'il s'agit d'une fonction, c'est-à-dire une méthode qui retourne une valeur, sinon donc définie par le mot-clé void. Donc, nous avons des attributs qui sont définis dans la classe. Et on peut l'utiliser dans n'importe quelle méthode, c'est-à-dire on peut l'utiliser, même les déclarer private. Sinon, si vous voulez utiliser l'attribut dans une autre classe, dans ce cas, on n'a pas la possibilité, puisque l'attribut ou la valeur de l'attribut n'est pas accessible, puisqu'il est défini private. Et donc, on aura besoin d'autres façons, d'autres méthodes pour accéder. On va voir, bien sûr, la façon dans laquelle on utilise pour accéder l'attribut. Nous avons dit il faut différencier entre un attribut de la classe et une variable quelconque de la méthode. Donc, on peut déclarer une variable quelconque, comme vous voyez ici, une variable de paramètres de la méthode, et différencier ces variables par rapport aux attributs de la classe. Et donc, la classe est définie par des attributs bien déterminés.
Par contre, on peut déclarer n'importe quelle variable dans n'importe quelle méthode. Et donc, sera accessible, cette variable sera accessible juste dans sa définition, c'est-à-dire dans la méthode. Et donc, si vous voulez utiliser la variable dans une autre méthode, donc ça, ce n'est pas possible parce que la variable est déclarée à l'intérieur de la méthode. Sinon, on peut utiliser les attributs n'importe où dans notre classe, c'est-à-dire dans n'importe quelle méthode, n'importe quel, bien sûr, code qui est inclus dans la classe. Alors, comment instancier une classe? Ben, tout simplement donc, en créant un objet de la classe défini par des valeurs. Quand je définis la valeur des attributs, dans ce cas, on parle d'un objet. Et donc, c'est une instance de la classe. On peut tester si un objet est une instance de la classe d'une classe, donc en utilisant instance of. On peut tester ça avec f, par exemple, le nom de l'objet ma client, par exemple, instance of, le nom de la classe voiture. Si les instances, donc la valeur de retour sera true, sinon false. Et donc, on peut tester si un objet est une instance de la classe, d'une classe quelconque. Alors, on peut instancier, bien sûr, plusieurs objets à partir d'une classe. Et donc, la classe, c'est un regroupement, comme j'ai dit, d'un ensemble des objets. Et ces objets-là sont définis par des valeurs, des attributs et, bien sûr, par un comportement au niveau méthode. Vous pouvez tester l'égalité, l'inégalité entre deux objets. Et donc, les objets peuvent avoir peut-être même valeur des attributs, mais avec des références différentes. Et dans ce cas, donc, on dit que un objet client 1 est différent à un autre objet client 2, ayant même puissance, même des modes de démarrage, même vitesse, etc. Mais ils ont des références qui sont différentes. Au niveau de test, donc, on aura comme résultat false, ça veut dire les deux objets n'ayant pas même référence, mais ils ont même valeur. Alors on peut créer un objet à travers d'une méthode quelconque principale, par exemple méthode main. Donc main, on peut créer un objet et puis l'instancier. Donc création, c'est le nom de classe suivi par le nom de l'objet. Et puis on peut ajouter new, le nom de la classe, ça veut dire créer en même temps, allouer l'espace mémoire de cet objet. Alors on peut créer un objet par référence, c'est-à-dire un objet avec ce qu'on appelle un constructeur sans paramètres. Donc on peut construire un objet automatiquement comme ça. Si dans le cas où on a créé un constructeur, on va parler par la suite sur la notion de constructeur, si on a créé un constructeur avec paramètres, donc on peut créer un objet avec paramètres, avec initialisation de valeur, sinon créer un objet vide qui ne contient rien. Alors, avant de parler de constructeur, donc on va créer tout d'abord une classe et par la suite instancier une classe et voir comment utiliser l'objet de la classe. Alors, on va créer un projet Java. Je vais donc l'appeler classe-objet. Ça, c'est le nom de projet, notre projet. Et puis, je crée dans la source une classe simple, donc sans ajouter le void mask, c'est-à-dire sans ajouter la méthode principale. Alors, classe, je vais donc l'appeler point, par exemple, un point. Donc, je crée une classe point qui est définie par x, y comme valeur de point, c'est-à-dire définition d'un point 2D, deux dimensions, x, y. Et puis, je vais donc instancier la classe point. Alors, la classe point définie par deux attributs de type public. Public, ça veut dire accessible par tout le monde. Donc, je vais par la suite différencier entre public, private, projected, c'est-à-dire le type de visibilité qu'on a à travers un exemple. Alors, j'ai défini x et puis y, public, par exemple, y. Donc, x et y.
Alors, ça, c'est le nom de la classe, définie par deux attributs, jusqu'à maintenant sans méthode. Et puis, je peux utiliser dans une autre classe ce point, c'est-à-dire instancier ce point. Alors, je vais donc tester test.point, par exemple, classe test.point. J'ajoute, bien sûr, la void main pour le test, c'est-à-dire la méthode principale. Et dans la méthode principale, que je vais donc instancier le point, un point quelconque. Alors, et puis, terminé. Et je commence à instancier dans ma méthode principale, je commence à instancier mes points. Alors, je peux créer un point, instancier un point de cette façon, p1 égale new point. New point. Alors, si vous n'avez pas défini ce qu'on appelle un constructeur, alors automatiquement, on aura un constructeur par défaut, c'est-à-dire un constructeur d'initialisation. C'est-à-dire les valeurs de x et y vont être égales à 0 par défaut. Sinon, donc, on peut créer ce qu'on appelle un constructeur. Je vais donc expliquer la notion de constructeur, je détaille les constructeurs par la suite. Alors, P1 point, je peux accéder maintenant les valeurs de x et y en utilisant point, la méthode, une méthode d'accès, point, pour accéder les valeurs de x et y. Et donc, je peux initialiser les valeurs de x par 2, par exemple. Et P1 point y, la valeur de y, par 3, par exemple. Mais avant de l'initialisation des valeurs de p, alors j'affiche tout d'abord les x et y. Donc p1, entre côtes, x égale, égale plus p1 point x. La même chose pour y, donc system.out.println, y égale plus p1.y. Alors avant l'initialisation et après initialisation des valeurs de x et y, les valeurs du point x et y. Alors j'enregistre et puis j'affiche le résultat. Alors, comme vous voyez, avant l'initialisation, au moment de création de l'objet, P1, alors P1 initialisé automatiquement par 0, x égale à 0, y égale à 0. Après, bien sûr, affectation des valeurs de x et y concernant le point P1, alors on aura le résultat 2, 3, après affectation. Et donc, on peut créer un point. Initialisé par des valeurs 0. S'il s'agit d'un attribut chien de caractère, le chien de caractère est vide. S'il s'agit d'un entier, la valeur de cet entier sera égale à 0. S'il s'agit d'un float, c'est réel, donc la valeur est égale à 0, et ainsi de suite. Donc l'initialisation automatique par le constructeur automatique, ce qu'on appelle le constructeur par défaut. Et donc, même vous n'avez pas construit. Vous n'avez pas défini un constructeur, ce qu'on appelle un constructeur, alors automatiquement, donc, c'est-à-dire la classe va créer un constructeur par défaut, initialisé par des valeurs x, y égale 0. Donc, voilà comment créer une classe, comment instancier un objet. Je peux instancier un autre objet, bien sûr, P2, etc., selon le besoin d'utilisation.